Les acariens sont de petites bêtes invisibles à l'œil nu. Ils se trouvent dans une multitude d'endroits, mais c'est votre matelas et votre coussin qu'ils préfèrent, car il y fait bien chaud et humide et il y a à manger. Un matelas peut contenir jusqu'à 2 millions d'acariens. Pendant la nuit, les acariens remontent jusqu'à la surface du matelas. Ils communiquent entre eux pendant ce voyage grâce à des phéromones qui produisent une odeur attirant d'autres acariens. Ce sont principalement les excréments qu'ils laissent derrière eux qui contiennent les allergènes que vous allez respirer. C'est ce qui cause des symptômes allergiques tels qu'une congestion ou écoulement nasal, une irritation des yeux, des éternuements, et ils sont souvent à la base des problèmes de sommeil. Vous êtes allergique aux acariens? Alors passez à l'action. Pulvérisez uniformément la solution à l'aide du spray sur le drap housse du lit et de l'oreiller. Laissez agir le produit au moins une heure et au maximum deux heures afin de laisser le temps aux acariens de migrer dans le drap. Vous allez ainsi attirer environ 80% des acariens se trouvant dans votre matelas ou coussin. Afin d'éliminer les acariens du drap, lavez-le en machine à 60 degrés en évitant l'ajout d'adoucissants. Pour éliminer les excréments et autres allergènes qui subsistent, passez un coup d'aspirateur avec filtre HEPA, surtout lors des trois premières applications. En traitement d'attaque, une utilisation par semaine pendant 3 semaines vous permettra ainsi d'éliminer 99% des acariens présents dans votre matelas et coussin. La subsistance de 1% d'acariens dans votre matelas va permettre à cet organisme de se reproduire. Mais également des acariens venant d'autres endroits pourraient infiltrer le matelas et coussin. Une fois le seuil allergique dépassé, en moyenne après environ 40 jours, les symptômes et désagréments seront de retour. Il faut éviter le repeuplement des acariens dans le matelas et coussin et donc renouveler l'application du spray une fois par mois. Pour ne pas inviter les acariens dans votre maison, quelques bonnes pratiques sont partagées. Aérez 15 minutes par jour, de préférence lorsqu'il fait froid et sec dehors. Maintenez la température à 18 degrés. Évitez la concentration d'humidité. Bien fermer la porte de la salle de bain et ne pas faire sécher du linge dans vos chambres à coucher. Ouvrez le lit et exposez-le à la lumière. Changez les draps au moins deux fois par mois et lavez-les à 60 degrés. Préférez les semi-halates. Préférez les matières synthétiques pour un matelas, une couette ou un oreiller. Lors de votre ménage habituel, préférez le nettoyage au moyen d'un chiffon humide. Exhalaire, libérez-vous de vos allergies aux acariens.